Bonjour les amis, un petit live à mi-étape. Vous voyez, quand faut s'adapter, faut s'adapter. Je sais pas si vous voyez bien, moi je vois pas ce que je filme. Des chemins, encore des chemins à peine praticables, surtout quand le chemin est annexé, voilà, et qu'il n'y a plus de chemin. Il n'y a plus de chemin et que je suis sur les hauteurs. Mais alors, c'est super beau, hein? C'est très très beau. Et donc, ben, on va innover. Et pour innover, ben, la solution, c'est de descendre par là. Donc, ça va être un peu rock'n'roll comme d'habitude. Mais bon, je vais finir, après le sixième jour, je vais finir par avoir un peu l'habitude de faire du 4x4 avec ma carriole. Mais là, franchement, là, c'est la première fois que je descends à travers rien. Parce que là, il n'y a plus de chemin, il n'y a plus rien. Je suis dans les vignes. Et je ne sais absolument pas où je termine. J'ai regardé la carte, a priori, il doit y avoir un petit chemin plus bas, mais allez, entre descendre maintenant, entre descendre là ou descendre là, mon cœur balance. Bon, allez, je prends des décisions et je vous fais un petit live ce soir. Ciao, ciao! Bonsoir les amis. Le live de la sixième journée. Eh bien, bah, comme tous les soirs, je suis rincé. Ouais, dur, dur. J'arrive même plus à courir du tout là sur les 20 derniers kilomètres. J'arrive plus, j'ai plus de jambes. Bon, la bonne nouvelle, c'est que tous les matins, ça repart plutôt pas trop mal. Donc, et chaque jour, pas à pas, faut avancer pas à pas. Alors, juste un petit rapide, parce qu'il est tard là. Je bivouac, je me suis installé sous une écluse. Vous voyez, mes affaires qui sèchent, je me suis baigné là-dedans. Ma toile de tente est installée. Et au fait, je ne vous ai pas présenté ma carriole. Alors, la carriole, c'est ça. 8,9 kg tout sec, 24 kg une fois que c'est chargé. Donc là-dedans, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai ma toile de tente, j'ai comment, enfin tout quoi, le duvet, le matelas, etc. J'ai même la pub pour mes amis François et Marie, là où je vais, donc c'est top. Donc voilà, c'est encore un bivouac. Demain matin, j'ai une petite surprise, je la connais. J'ai Régis et Patty qui sont dans le coin et qui voulaient passer ce soir, mais je suis tellement naze là, je vais vite me coucher. Et donc il m'amène le petit déjeuner demain matin à 6h45. C'est pas top ça. Les amis, hein, c'est quand même génial. Alors sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Sportez-vous bien. Oui, accessoirement, j'ai refait 75, 14, 15 km. Donc je suis à 2 km de mon point de chute initial, mais j'en avais tellement ras-le-bol. J'ai trouvé le coin là. J'ai dit, allez hop, on s'installe là. Voilà les amis, bah demain il m'en reste encore 4, et donc demain soir il m'en restera 3. Allez, ciao, sportez-vous bien.